alcools. Les alcools sont des molécules organiques qui contiennent un groupe hydroxyle, OH, porté par un carbone saturé. La formule générale d'un alcool est CnH2n+2O, N correspondant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule. L'éthanol est un alcool. Le 2-méthylpropanedehol est un alcool. Il existe trois classes d'alcools. Les alcools primaires, dans lesquels le carbone qui porte le groupe hydroxyle est relié à deux atomes d'hydrogène et un seul groupement alkyle R. L'éthanol de formule C2H6O est un alcool primaire. Les alcools secondaires, dans lesquels le carbone qui porte le groupe hydroxyle est relié à un atome d'hydrogène et deux groupements alkyles notés R et R'. Le propanedehol, de formule C3H8O, est un alcool secondaire. Les alcools tertiaires, dans lesquels le carbone qui porte le groupe hydroxyle est relié à trois groupements alkyles R, R' et R'. Le 2-méthylbutanedehol, de formule brute C5H12O, est un alcool tertiaire. Pour nommer un alcool, on utilise les mêmes règles que pour les alcanes. On identifie la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui qui porte le groupe hydroxyle. Le nombre d'atomes de carbone de cette chaîne détermine le préfixe. On écrit le nom de l'alcane correspondant, dans lequel on remplace le E final par la terminaison ol. On identifie les ramifications greffées sur la chaîne principale. On numérote les atomes de carbone de la chaîne principale en choisissant le sens, de telle façon que le carbone fonctionnel, celui qui porte le groupe hydroxyle, est le plus petit numéro. Prenons un exemple. Voici une molécule. On identifie la chaîne carbonée la plus longue qui porte la fonction hydroxyle. On numérote la chaîne 1, 2, 3, 4 pour que le carbone fonctionnel, celui qui porte le groupe hydroxyle, ait le plus petit numéro, ici le 2. Il s'agit donc du butane 2-ol, le 2 entre tirets indiquant la position du groupe hydroxyle. On identifie ensuite les ramifications, ici un groupe méthyle porté par le carbone numéro 3 de la chaîne carbonée. Il s'agit donc du 3-méthylbutanedehol.